Alain Delon venait de passer d'excellentes fêtes de Noël. Mais il assiste désormais, impuissant, à la bataille juridique qui se dessine entre ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Le torchon brûle du côté du château de la Brûlerie. Alain Delon, qui ne serait plus en état d'être déplacé, y mène son petit quotidien, dans la ville de Douchy dans le Loiret. Mais ses trois enfants se déchirent actuellement, à son grand désarroi. Mais pour son propre bien-être. D'un côté, Anthony et Alain Fabien Delon qui font barrage commun, de l'autre Anouchka, qui souhaiterait faire venir son célèbre père en Suisse, où elle réside, pour prendre soin de lui, mais surtout pour son suivi médical. Chacun son tour, les enfants d'Alain Delon ont pris la parole. Si Esti Anthony Delon qui a révélé cette triste histoire familiale et juridique dans les colonnes du magazine Paris Match le 3 janvier dernier, assurant que sa sœur, contre qui il a déposé une main courante, n'avait pas que de bonnes intentions et qu'elle aurait mis en danger la vie de leur père en camouflant des informations médicales. Anouchka a pris la parole à la télévision, dans le journal de 20h de TF1, pour donner sa version des faits, et s'y estie autour du petit dernier, Alain Fabien Delon, 29 ans, de faire des révélations fracassantes via BFM TV. Le mardi 9 janvier 2024, aux alentours de 6h10, la chaîne d'information a diffusé l'extrait d'une interview dans laquelle il dénonce les agissements supposés de sa sœur. Dimanche dernier, il avait publié un enregistrement audio à charge contre sa sœur. Il y a un énorme décalage entre ce que je vois et comment est-ce que les gens ils se montrent, a-t-il assuré. Et comment ils se font passer pour la petite fille chérie, la personne qui est tellement soucieuse, préoccupée de l'état de santé de son père. Je suis désolé, si tu étais vraiment préoccupé de l'état de santé de ton père, tu serais venu pour Noël, tu ne serais pas parti 6 fois en vacances en 6 mois. Et quand je vois qu'il y a ma sœur qui envoie des bodyguards pour surveiller, déformer la réalité, déformer des propos, me menacer au sein de mon domicile devant mon frère, devant ma nièce, dans ma maison. Si y est-il des méthodes de crapule, si y est-il des méthodes de mafieux. À Noël, Alain Fabien Delon avait justement partagé des photos de famille sur son compte Instagram. Alain Fabien Delon porte plainte contre Anouchka. Alain Fabien Delon a révélé, ce 9 janvier 2024, qu'il avait déposé plainte contre sa grande sœur Anouchka pour abus de faiblesse et pour un nombre incalculable d'autres choses. Parce que ce n'est pas que ça qui est problématique ici, a souligné l'ancien compagnon de Capucine Anave. Si est-il très grave ce qu'il se passe. Il y a des milliers d'euros qui se barrent, il y a des gens qui sont payés des milliers d'euros par mois pour soi-disant faire notre sécurité. Mais en fait, si est-il pour nous espionner et inventer des histoires qui ne sont pas vraies.